Beaucoup de personnes pensent que l'arthrose est la conséquence du temps qui passe. Mais en réalité, cette idée est erronée. C'est vrai que les patients arthrosiques sont plus nombreux puisque l'espérance de vie a augmenté. Mais nous ne devons pas en payer ce prix pour vivre plus longtemps. L'arthrose est la conséquence d'une mauvaise utilisation de nos articulations sur une longue période. Si nous considérons l'arthrose comme un processus qui peut guérir, nous devons affirmer qu'il n'existe aucun remède pour l'arthrose. Mais en réalité, nous avons une série d'éléments, une série de médicaments et une série d'activités de physiothérapie en mesure d'en ralentir sa progression et d'en réduire les dommages. Les médicaments anti-inflammatoires et les antidouleurs sont les plus utilisés, mais mal utilisés, puisque nous prenons le médicament pour pouvoir continuer nos activités, lorsqu'en réalité nous devrions prendre les médicaments et respecter les articulations avec du repos. Nous avons parlé de physiothérapie et certainement beaucoup d'activités de physiothérapie nous permettent de bien faire travailler l'articulation et par conséquent d'éviter des dommages ultérieurs. La fango-balnéothérapie dans un établissement thermal s'insère parfaitement dans ce cadre de thérapie. En tant que moment que nous dédions à nos articulations, grâce à l'application de boue ou d'eau minérale, comme celle d'Abano ou de Montegrotto, ayant un effet anti-inflammatoire. Ces boues ont un effet pharmacologique certifié et agissent efficacement puisqu'elles ont un effet anti-inflammatoire. Elles réduisent l'inflammation et améliorent la fonctionnalité articulaire. Les massages et les autres soins complémentaires pratiqués pendant le séjour dans un établissement thermal, séjour qui pour un sujet arthrosique ne devrait pas être inférieur à 15 jours, je disais dans ce cas, de prendre soin de soi-même et de son propre corps ne peut qu'apporter des avantages. L'arthrose ne sera pas guérie, mais sûrement nous aurons, après le séjour thermal, une amélioration de la fonctionnalité articulaire. Cela dit, il ne serait pas correct d'affirmer que les médicaments ne servent plus. En effet, hors des périodes de séjour thermal, intervenir avec une thérapie est utile chaque fois que nous avons mal utilisé nos articulations, est particulièrement efficace et peut apporter un soulagement. Cure thermale et médicaments vont de pair. Et si nous les utilisons correctement, les cures nous permettent de réduire les médicaments, et c'est toujours une bonne chose.